Hey, salut Tommy! Salut Gaz. Comment ça va? Je vis des moments quand même assez particuliers, là. Ben écoute... C'est à date, c'est une très 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 belle journée. Je suis content d'être là avec toi, joyeux Canada. Non mais c'est important que je le dise, c'est dans mon segment, tu sais, si je veux m'en rappeler un jour. C'est vrai. Nous le sommes tous, d'ailleurs, joyeux Canada à tous les Canadiens. Et à tous ceux qui aimeraient l'être. Et c'est ça, et à tous ceux qui... Et aujourd'hui, tout le monde est Canadien. Ben oui, ben moi, j'ai fêté le Brésil quand ils ont gagné leur je sais pas quoi, quand ils ont klaxonné cette nuit, puis je vais fêter l'États-Unis le 4 juillet. Je sais pas quoi. Non, mais tu sais, quand ça se met à klaxonner à Montréal, tu te dis qu'il y a toujours un peuple quelconque qui a gagné un sport quelconque. Et c'est pas mal, ouais. Ça doit être de même un petit peu partout. Sur, trêve de racisme. Écoute, Tommy, j'ai fait une découverte dans ma propre collection cette semaine, par hasard, parce qu'il y a un gars que j'aime beaucoup sur YouTube qui a fait une capsule qui s'appelle The Angry Video Game Nerd, que vous connaissez probablement tous, qui a sorti ce jeu-là, qui s'appelle Tabou, le sixième sens. Moi, j'avais acheté ce jeu-là, j'avais juste vérifié s'il fonctionnait, j'avais pas le temps d'y jouer, puis à l'intérieur, il y avait une map. Alors, je m'étais dit, mon Dieu, c'est la map des monstres et des armures et des épées que tu peux avoir. Parce qu'à l'intérieur, voici la jolie map, ça a vraiment l'air d'un RPG. Donc on pense vraiment qu'on peut avoir des armures, des épées, ça a l'air vraiment cool. Mais en fait, ben, non. T'aurais dû te méfier parce qu'il y avait le même soleil que sur le chandelier de ta mère qui a une chandelle en cire. Là. Non, ça a l'air d'être des épées puis des slimes. Mais bref, finalement, non. C'est un jeu de tarot. Un jeu de tarot. Comme une un vidéo, jeu vidéo de tarot. Un jeu vidéo de tarot. Mm-hmm. Et comme en 2013, on dit « une vidéo vaut mille mots », Tommy, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Alors, on peut s'en servir pour répondre à des questions existentielles. Tu veux dire n'importe quelle question existentielle? N'importe quelle question. Genre, est-ce que quelque partie de mon corps que ce soit est assez grosse, mettons? Genre. OK. Mais j'ai décidé de parler de quelque chose de beaucoup plus important. Je rappelle que ce jeu-là est recommandé pour les 14 ans et plus. Parce que, tu sais, c'est de la magie. La magie, c'est occulte. Pas... Il faut pas que tu oublies de dire au revoir aussi quand t'as fini de jouer. Ben oui. Parce que sinon... Alors, j'ai insisté pour le fait de mettre mon nom et ma vraie date de naissance. Le prénom, le nom de famille de jeune fille de ma mère s'en vient plus tard. Alors, la question est la suivante. Pirate ou ninja? Je pense que c'est important. T'as même pas fait sauter la cassette avec ça? Non, ça a bien été. Mais tu vas voir que la cassette saute pas, mais c'est quand même assez incroyable. Pour ceux qui ont des problèmes d'avaler leur langue, fermez les yeux, là. Mais, moi pour vrai... Moi, OK, c'est pas pire. Ça, je vais lever qu'on entende la musique comme il faut. Oui, parce que selon les cartes qui vont sortir, il y a des musiques plus ou moins gentilles ou méchantes qui vont nous dire si c'est quelque chose de bon ou pas, mais j'ai pas vraiment compris. Mais là, c'était pas vraiment c'était une question à choix, tu sais. Ben oui, I will deal the card. Alors, voilà. Le jeu va toujours brasser 10 cartes. J'aurais pu lire les instructions pour comprendre qu'est-ce que chaque numéro veut dire, mais On est vraiment dans du mysticisme 8-bit, là. On peut pas être plus dans Écoute, du mysticisme. T'es un kid, tu lis ça au club vidéo, t'es en tabarnak ça pour toute arrivé. La fin de semaine. Ça m'est arrivé. Sérieux? Ouais, on avait été le rééchanger parce qu'on parlait pas anglais tout à fait. Interminable. Puis vous aviez pas 14 ans et plus. Ouais. Alors, la situation est éduquée. Donc, moi, je pense que c'est plus ninja. Et bateau. Mais non, mais... OK, on compte. OK. Toi, hein? Tu comptes, Jonathan. Un ninja. Le passage à travers la difficulté va bien se faire. Moi je pense à un bateau qui vogue. Fait que je pense que c'est plus pirate, ça. Pirate. Ouais. Un pirate. Un. Fait que ça serait un. OK. À date, C'est juste assez intense aussi, le jeu. C'est... Oh non, c'est ça, on sent. Je profite d'un petit instant d'accalmie là, pour mentionner que moi, je suis contre cette idée-là. Que les pirates ou les ninjas. T'sais, moi, je pense qu'un ninja sur l'eau, ça devient pirate. Moi, je pense que la vidéo a gelé. Non. Non, OK. Ah, ben peut-être la vidéo a gelé du vidéo. On n'a plus les. C'est important. C'est désagréable, ça. Ben, en tout cas, ça avait l'air pas mal intense. Mais c'est super triste, on saura jamais si. Même le jeu veut pas. Ben oui, c'est assez particulier. Veux-tu retourner à ta. Anyway, finalement, on était. Ça repart? Non, la déception est générale, il va falloir... On peut pas retourner à la fin du vidéo. Je vais essayer de l'éteindre puis de le repartir.
C'est important parce qu'il y a comme deux phases. Il y a 10 réponses totalement génériques qu'on aurait pu poser n'importe quoi et ça aurait donné n'importe quoi. Suivi. Non, ça veut pas. Non, je suis désolé, Guiz. On va trouver la manière. Là, on est en train de se pratiquer. Mais on a quand même très bien vu l'interface qui était la même affaire à chaque game. Est-ce que tu es obligé de rentrer ton nom, ta date de naissance à toutes les fois? À chaque fois. À toutes les fois que tu as envie d'y poser une question, faut que. C'est important. Il a dit la face! Non, non. Trompe de date, ça marche pas, là. Non, non. je suis d'accord avec toi. Faut que tu sois sincère avec les esprits. Sinon, ça finit mal. Puis ensuite, qu'est-ce qui est le fun? C'est que on aurait... Alors, aller sur YouTube, voir des vidéos de plein d'autres mondes, mais on aurait vu un choix d'État, parce que c'est pour les Américains, mais ils ont eu la délicatesse de mettre l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, ainsi le British que Columbia. Le British Columbia. Dans les acronymes à la fin, là, tu choisis ton État, on ne sait pas pourquoi, là, AZ, Arizona et tout, et à la fin, il y avait ON, BC et NB. Et ensuite, ça te donne tes chiffres chanceux. C'est fou. Tout ça pour un modeste 59,95 dans le temps. Sacré. Non, mais je pense que j'ai eu avec l'inflation du fun pour 60$, même si la vidéo a planté, donc imagine. Et voilà, puis sinon, ça va nous revenir. Merci beaucoup, Guiz. Ben merci, Tommy. C'était vraiment, encore une fois, génial. J'adore ça, cette idée-là d'aller chercher. Ça nous manquait. Il nous manquait de toi. Bien, tu vois, Bruno, il fait oui tellement de la face. Et puis là-dessus, tu viens de nous présenter du mysticisme. Puis Tragically Hip, ben, ils ont fait une toune qui s'appelle Poets. Puis, Ça n'a aucun rapport. On va l'écouter. Merci, on est à 70%, puis on revient fêter le Canada, là.